En réponse à la COVID-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des membres des forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons tous les participants qui ne sont pas des membres des forces armées canadiennes à consulter le questionnaire « Mener une vie plus active de la Société canadienne de physiologie de l'exercice » ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter et de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF-98. All right, bonjour tout le monde. Je m'appelle Guillaume Arsenault. Je suis moniteur en conditionnement physique et sport ici à la base militaire de Valcartier. Avant toute chose, veuillez, s'il vous plaît, vous abonner à la chaîne YouTube. Il y a du beau contenu, des beaux moniteurs et monitrices qui vous donnent des entraînements incroyables. Alors aujourd'hui, on a un beau workout à haute intensité, donc un HIIT. Le matériel que vous allez avoir besoin, c'est un appareil cardio, ça peut être un vélo, un rameur, un airbike si vous avez ça à la maison. Sinon, ça peut être des montées de marche d'escalier ou, le plus simple, les fameux burpees. Ensuite, ça va vous prendre seulement un poids, donc soit une haltère, un kettlebell, une cruche d'eau, un poids seulement. Et dernier matériel que vous allez avoir besoin, c'est une corde à danser. Donc, le workout d'aujourd'hui, ça va être un 4 rounds où est-ce qu'il va falloir accumuler le plus de calories ou de répétitions de burpee ou de montée d'escalier en 2 minutes dans le 4 rounds. Donc, vous allez avoir deux autres exercices qui vont durer 1 minute et 1 minute de repos. Je vous explique tout ça tantôt. Pour le warm-up, ce qu'on va faire, c'est on va faire un Tabata. Je vous rappelle, Tabata, 8 séries de 20 secondes d'effort et 10 secondes de repos. On va les faire alterner entre deux exercices, des sauts simples à la corde pour 20 secondes et des touches épaules en position push-up pour le second 20 secondes. Je vous laisse prendre le temps de prendre une corde à danser. Je pars mon timer, on start ça dans 10 secondes. Pour les sauts simples, dans 5, 3, 2, 1, et c'est parti. Si vous n'êtes pas vraiment très bon à la corde à danser, ça peut être des genoux tout simplement. Et break. Mais en position push-up pour le deuxième 20 secondes d'effort, pour les touches épaules, et c'est parti. On gagne bien les abdos, on essaie de pas trop basculer de gauche à droite. Écartez les jambes pour vous aider pour la stabilité. Encore 3 secondes. Et rest. On recommence avec les sauts simples et c'est parti. Oh, chose qui arrive. 10 secondes encore. Trois, deux, un. Cinq secondes avant les touches épaules. 2, 1, c'est parti. Reste toujours bien gainé. Le dos est neutre. 3, 2, 1, et reste. On a la moitié de fait, guys. On prend la corde à danser. Ou les genoux hauts, dans 2, 1, c'est parti. Dix secondes. Trois, deux, un, et rest. Touche épaule, c'est parti.
10 secondes encore. Trois, deux, un, et reste. Il nous reste une série de chaque exercice. Deux, un, c'est parti. This second guys, let's go. Trois, deux, un, et reste. Dernier set de touche épaule. Start ça dans 3 secondes. Et c'est parti. Cinq secondes encore. Deux, un, et rest. Good job, guys. Donc, comme je vous avais dit tantôt, on a 4 rounds à effectuer. Dans une round, on commence avec un 2 minutes où est-ce qu'on va tenter d'accumuler le plus possible de calories si on a un appareil avec des calories ou de répétition. Si, exemple, on fait des montées de marche ou des burpees. Donc, on a 2 minutes où est-ce qu'on va accumuler le plus de répétitions. Un bon truc, c'est à chaque round de marquer le nombre soit de calories ou de répétitions qu'on a faites à la fin du round pour essayer de se battre à chaque fois ou au moins être égal tout le long du workout. Donc, on a 2 minutes pour ça. Une fois que c'est fait, on a une autre minute où est-ce qu'on va faire un exercice un peu plus musculaire. Ça va être un hang clean and jerk alterné avec un dumbbell. Donc, c'est là que le poids vient en action. Hang clean and jerk, on se rappelle, c'est en suspension, donc le mouvement part lorsqu'on est déjà en pleine extension. Léger appel en poussant les fesses vers l'arrière, on amène le dumbbell à l'épaule, donc le clean, et on vient jerker, soit avec un push press, ça peut être un push jerk, ou tout simplement un strict press. Et on alterne, donc on passe à l'autre main, et c'est exactement le même principe. Tout ça pendant une minute. Good. Et la dernière minute d'effort, ça va être des double unders. Donc, des doubles sauts. Comme celle-ci. Si vous êtes moins habile avec les doubles sauts, tout simplement comme pendant le warm-up, des sauts simples. Et si pendant le warm-up, vous avez fait des genoux parce que vous, la corde à danser, c'est un mystère de l'humanité. Vous pouvez tout simplement faire des mountain climbers pendant une minute, soit en contrôle ou un peu plus rapide. Good! Donc, je vous laisse le temps. Allez vous chercher une bouteille d'eau si ce n'est pas déjà fait. C'était votre environnement pour le workout. All right, guys, donc j'espère que vos souliers sont bien attachés, votre tuc est mis, bouteille d'eau remplie. On start ça dans 10 secondes. On est prêt dans 5, 3, 2, 1, et c'est parti! Donc, 2 minutes où est-ce qu'on va venir accumuler le plus de calories si on a un appareil avec des unités caloriques ou des répétitions si on fait des burpees ou des montées de marche, ça va être des push-ups. Et heureusement assis, faites-vous un exercice et accumulez-vous des reps pendant 2 minutes.
Good job, guys. Il reste une minute. Premier round. Let's go. 15 secondes. Ensuite, on passe pour un clean and jerk alterné avec un dumbbell. 5. 2. 1. Un clean and jerk, alterné. On reste bien gainé tout le long du mouvement. Je reviens à 30 secondes. Trois, deux, un. Et on passe au DU ou au saut simple ou au mountain climb. Good job. Un second. Kings. Cinq. Deux. Un. Et rest. On a une minute de break, guys. À mon premier round, j'ai fait 55 calories. Et on repart. Gorgée d'eau. Il est important d'attacher ses souliers. Pas que ça pongue dans la corde. Si vous avez un appareil cardio, très important, guys. On le reset, on repart à zéro. C'est la première calorie. Il est toujours plus dur à aller chercher. Deuxième round dans 5. 3, 2, 1, c'est parti. Il y a 30 secondes de feu. Let's go.
laisse une minute. Let's go, les machines, let's go. On reste constant. Reste 30 secondes. Cinq secondes. Deux. Un. And clean and jerk. Faites attention à sa forme, guys. Reste bien gainé. Le dos bien neuf. Let's go. Moins de 30 secondes. Ensuite, on passe à la corde ou au mountain climber. Cinq secondes. Deux. Un. Et corde à lancer. Let's go, let's go. Et parti. Oh! Des choses qui arrivent. Let's go. On recommence. 30 secondes. Let's go, à raison, let's go. Oh. 3 secondes. Et rest. Good job, guys. Donc, deuxième ronde, j'ai fait 57 cales. On est à la moitié. Il me semble qu'une minute, ça passe vite. Hein? C'est relatif. Une minute de planche ou de hollow hold, c'est interminable, mais une minute de repos, ça passe comme ça. Déjà 15 secondes, puis on recommence. Let's go, guys, let's go! Mettez-vous du beat! Motivez-vous! Ça va bien, il en reste deux. Partez dans 3, 2, 1, et c'est parti! Let's go! On se trouve en rythme, puis on garde! Allez, allez, let's go! Une minute, ouais! Première minute, let's go!
30 secondes. Let's go, guys. 10. 2. 5. Thank you, Ninja. Oh, c'est plus dur, celle-là. Main forme, round 3. On va peut-être plus lentement, mais on fait des belles reps. Let's go! Moins de 30 secondes. Et rest. Et non, on passe au DU. Let's go. Dernière minute d'effort. Quarante secondes. Let's go! 10! Oups! 2! 1 et rest! Good job, guys! Good job! Gorgée d'eau s'impose. On respire à fond. Il reste un round, guys. Let's go! Let's go! Au troisième round, j'ai fait 56 calories. Donc, une calorie de moins que le round 2, une de plus que le premier round. Je me maintiens, guys, je me maintiens, je suis dans la moyenne. On start ça dans 20 secondes. Let's go, dernier round, guys, dernier round, c'est quasiment fini. Dans 10. 3, 2, 1, et c'est parti. Let's go, let's go! Let's go, guys, in a minute.
On travaille. Thank you, Ninja. Let's go, do that rip. Moins de 10 secondes, guys. 5. Et on passe à la dernière minute d'effort. DU au saut simple. Ou mountain climber, let's go! C'est parti! Let's go, on continue. Let's go. Let's go, guys, dernier 10 secondes. Hey, rest. Good job, guys, les machines! Prends un petit 2 minutes pour récupérer son souffle. Boire de l'eau. On marche un peu dans sa maison, dans son appartement. Donc, pour mon dernier round, j'ai accumulé 54 calories. Donc, round 1, 55. Round 2, 57, round 3, 56 et dernier round, 54. Puis vous, vous êtes rendu où? J'espère que vous êtes donné autant que moi. Donc, good job encore, guys. On se rappelle, cool down léger. Il y a plein de vidéos de mobilité, d'étirement sur la chaîne YouTube. Justement, abonnez-vous donc à la chaîne YouTube. Vous pouvez faire votre cooldown à l'aide de ces vidéos-là. N'oubliez pas, une bonne hydratation, une bonne nutrition, une bonne nuit de sommeil, puis on recommence. Sur ce, je m'appelle Guillaume Arsenault. J'espère que vous avez aimé ça. Puis on se dit à la prochaine. Good job!